Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus pour les Jeux du Cygne. J'entre dans l'arène et le monde se délite sous mes doigts. Ouais, il se délite bien, on a 86%, mais bon, il nous reste quand même 20% de temps, entre guillemets, de tour. Pour 15% de victoire, sachant qu'on est censé aller un peu plus vite, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que là, j'ai atteint une sorte de palier, en quelque sorte, et j'ai du mal à progresser plus. Les autres, il y avait vraiment cet effet de snowball où ça partait de plus en plus en cacahuète. Mais je suis en train de me dire... La capitale est ici. Si j'arrive à foutre la capitale là... Si j'arrive à prendre cette capitale, ça peut être super bien, en fait. Gotu. Je pense qu'ici, ils vont, ça va éclore. Hein. 20 de menace, on va faire un petit human appearance. C'est très bien. Gotu and power aussi. Donc là, on a encore renforcé. On va monter à 3%. Un peu de menace. On va faire une apparence humaine. Il va falloir faire un petit Laylo. Le trickster, il est où? Il est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il infiltre. Là, on va fouiller. C'est un peu dommage, hein, je pense, mais bon. J'aurais dû prendre un autre héros. 2 en intrigue, 26-43. Je pense qu'on va les pousser à m'attaquer. Je vais essayer de recruter le monarque si je peux. Il n'y a pas beaucoup de modifieurs en cours, sinon on les verrait sur la map, bien sûr. S'il y a beaucoup d'unrest. Quoi beaucoup? Il y a un modifieur unrest positif. Infiltrer City Palace. On peut empower. On peut faire human apparence. Il tombe hein, petit à petit quand même dans les ténèbres. Hein. On arrive à faire des choses. Ok, 35 de thunes. Une petite intrigue à deux, c'est la base hein, pour commencer à faire des trucs. On va continuer de faire ça, ça rapporte de l'XP, on s'en sert. On réduit notre profil de 5, oui. Elle va avoir des problèmes très rapidement. Là. Une famous. On va essayer de garder la world panic le plus bas possible. Le moins 28% est suffisant pour l'instant, mais il va diminuer au fur et à mesure, donc si elle peut prendre la place de la baronesse. Là, elle va perdre combien? Elle va perdre des points de vie, un par tour. Il y a un peu de profil, quasiment rien. On va refaire diminuer une dernière fois le profil, et je pense que les gens vont l'attaquer à vue. ...89%, il vient de la soigner. On a dit quand ces deux-là ils vont sortir à... Ça va être costaud. Laylo. Parfait. Réduire encore, on réduit notre profil au fur et à mesure. Bah voilà. Le temps d'humanité... Est rapidement arrivé à sa fin. Le ciel se lève rouge, sang, terrifiant. Ah là là, on est à 94. Ouais, on les a pourris ici.
Là, on est infiltré, on est en full infiltration, on peut se permettre de faire une petite propagation, pour le plaisir, bien sûr. On a augmenté, on est réveillé, c'est la première fois qu'on arrive au stade où on est dans l'éveil et qu'on va pouvoir l'utiliser. Non contre l'armure, fois le dernier, Spirit HP à 50. Très bien. On va le tenter. Y a du shadow dans le coin. Attends, on a eu une manifestation qui était ici. Ah, là, il n'y a pas de shadow ici, non. On peut utiliser encore un. Menace 60. On a deux armées. On va en faire une autre. Ils vont pas pouvoir nous résister longtemps, ceux-là. Allez, attaque! 97. Et bah voilà! Le monde entier de l'humanité a su qu'il était sur le fil du rasoir. Et on a réussi à exercer notre dominion. Ça nous a pris du temps cette fois-ci, hein. Là, ça va vite être plié. On a eux qui vont passer au tour prochain. Ça va nous faire passer normalement à 100% de victoire. Et si c'est pas le cas, là, il va y avoir... Ils sont à combien ici? 6. Ouais. Là, ici, on va le plier. Donc, avec cette destruction plus le passage de l'autre, on va passer à la victoire au tour prochain. 425. C'est honnête. On s'en fout. Raising from the sun. Raising from the deep, excusez-moi. The Rising Sun. C'est une chanson. Ce n'est pas du tout ça. Victory. Comme il a été prévu. Un jour, on pourrait peut-être se permettre de continuer pour faire un truc vraiment. Genre la possession totale. Mais il n'y a pas de succès sur le jeu. Donc c'est dommage. Bon, l'épisode a été vraiment très court. On va juste se jeter un petit œil au prochain qu'on va faire. Si on fait une nouvelle partie. Donc on a fait Yasuo, on a fait Vinerva. On va faire Ophanim. Alors qu'est-ce que ça fait Ophanim? Donc c'est autour de la foi. Ça c'est bien. Et son opposé, le doute. Ok, donc la foi en Ophanim, est-ce ce que les personnes cherchent pour se sauver de la terreur qu'ils voient dans le monde? Ok, donc en gros, lorsqu'on va pouvoir mettre des ténèbres, les gens vont chercher assez vite de la foi. Ok, quand on atteint les 300%, Ophanim la convertit en perfection et éradique toute trace de liberté pour l'humanité. Donc ça prévient l'unrest. Et on peut en faire des crusaders qui vont tuer ceux qui ne croient pas en elle. Et en fait, ça va mettre le doute aux gens qui sont autour au fur et à mesure qu'ils voient leur... s'appelle... La liberté, le libre arbitre se faire enchaîner. Et ça va faire des... Oh putain. Ah, c'est marrant ça. Et j'ai jamais vu Mammon parce qu'il n'était pas encore sorti. Donc c'est lié à l'or, semble-t-il. The Wealth of the Mountain and Influence. Donc la montagne a un profil et de la menace, ok, ça on connaît. Et ça permet de répandre notre influence. Et qui va nous faire augmenter donc le profil et la menace. Mammon va dévorer des foules entières de personnes sous son influence pour péter ses sceaux. Plutôt que le fait qu'ils vont péter. Ok, donc ça va pas. Les sceaux ne vont pas se briser au fur et à mesure du temps. Il va falloir qu'on arrive à décimer des populations pour pas le faire. Et ça va encore augmenter la menace sur la montagne.
Normalement, bien qu'on by his influence and prosperity. Ok, d'accord. Donc, en gros, il faut qu'on mette des gens sous son influence pour pouvoir gagner du pouvoir. Un peu à la Yastur, a priori. Ok, donc. Et le but, c'est de faire augmenter donc l'avarice et la décadence. On peut gagner une victoire unique si on dévore suffisamment de quantité de croyants. Ok, d'accord. Bah, ça va être bien tout ça. Ça va être bien. Mais prochain let's play, ça sera sur Ofamim. Bon, j'espère que Ofamim, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Comme d'habitude, hein, c'était un plaisir de faire ce let's play. J'espère vous revoir bientôt. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.